Osikana uti penena kokende tambola nako tambola esunge esungie osikana uti penena kokende tambola nako tambola esunge esungie olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona Bolona bolingo, bolona bolwe. Bolona bolingo, bolona bolu. Yana butu tomo. Je vais dire, on a été fier de lui, fier de l'homme qu'il a été. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au fameux 17 juillet 2020. Mon père s'est battu. Nous garderons toujours des bons souvenirs positifs de lui, ses blagues, sa gentillesse, ses soirées passées à ses côtés et sa jeunesse. C'est une chose que l'on fait à un grand-père qui, malgré son âge, aimait passer du temps avec ses petits-enfants, avec sa famille et avec qui on pouvait parler de tout et de rien. Nous, tes petits-enfants, on t'a fait ce discours pour dire à quel point on t'aime et parce que tu nous manques et j'espère que tu ne seras pas les bons du mariage. J'étais le seul enfant de lui. J'étais le seul petit enfant de Gina et maman Rose qui passait beaucoup de temps avec eux. Moi et papy Gina, on parlait beaucoup. Je dormais avec lui, mais maman de cinéma, on passait de bons moments ensemble. Et la veille de sa mort, ma mère voulait que je rentre avec elle, mais elle lui a dit non pour rester avec ma grand-mère. Mais je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit non. Je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé un message qui me disait de profiter de mes grands-parents.
sangai moko ya mangai na ye paina yo yo ke na ngamawa kanisa misala na Yesu nana ekulusu aso paki makila na ye etenga na nilisama nana toke ne paina papa Ozali ekimelo na ngai. Ozali libanga na ngai. Esika nazali kozwa ekimelo na ngai. Ngai pe longola ngai na libebi pe na mpasi o na zena yango d'affection, parce que chacun de nous
Je voudrais encore lui dire je t'aime. Parce que chacun voudrait aussi lui dire merci de nous avoir aimés. Prions pour le repos de son âme. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, nous avons unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, que nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. Voilà que aujourd'hui, rappelons notre confiance et nos espérances. Gina n'est pas tombée dans le
m'a adopté, qui l'a béni à lui, il est donc bien présent auprès de lui. On le voit désormais dans cette mystérieuse étape de la mort. Dans la tristesse qui nous manque, il y a donc une place pour l'espérance, pour la confiance. Avec cette certitude si importante que l'amour qui nous unit ne passe pas, car l'amour ne venait pas le soutien de la mort. C'est pour cela que nous voulons accompagner le chemin de notre mère sainte et sincère. Avec l'évangile que je viens de proclamer devant vous, voilà, c'est parti. Jésus commence à prêcher, à rassembler les foules, à faire vivre ce que nous vivons maintenant à sa suite, d'un seul coup tout profond, avec son arrestation, avec son procès et avec sa crucifixion. Mais nous sommes au moment de la fin de la page juive et Jésus veut vivre ce moment de retrouvailles avec ses disciples. Ce repas doit servir pour chaque année que je dis ça. Jésus prit le pain, il le rompit et le donna à ses apôtres en disant pour les évangiles en tous si mon corps les vrais pour eux. Jésus prit la coupe en le pain et dit pour les évangiles en tous ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé en le corps de vous. Et voilà ce jour-là, Jésus a l'institut de l'Eucharistie. Je pense que les paroles prononcées par Jésus ce soir-là n'ont pas dû pour les apôtres une grande importance. Je ne comprenais pas les paroles. Et pour nous qui avons découvert le Christ grâce à l'éducation catholique que nous avons reçue de nos parents ou de nos proches, ce pain de vie nous marque, car nous savons que suite à ces paroles, suite à notre vie de croyants, un jour nous partagerons avec le Christ ce pain de vie, car ce pain de vie est la vie éternelle. Si nous sommes aujourd'hui en cette église, c'est bien pour vivre un moment de réconfort, car nous ne savons pas ce qui se passe de notre côté. Nous savons seulement que tu es un chemin, qui n'enlèvera de nos yeux ce voile qui ne nous permet pas de le voir, ce voile avec lequel on pourrait suivre nos yeux pleins de tristesse, ce voile qui nous rappelle que nous sommes passés comme le chemin, de l'autre côté du rideau, que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui, mais qu'elle continue sous notre force, que l'espérance reste forte en nous, comme le disait si bien Charles Péguy, cette espérance qui ne peut décevoir, celle du d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des pères de Jésus sauveur. Alors dans cette plénitude, croyons au Christ, disait un martyr. Celui qui croit en moi, même s'il est un croit, et tout un qui croit en moi ne mourra jamais. En ce jour, gardons notre espérance en amour. Seigneur Jésus, toi qui donnes les croyants rassemblés en nous, écoute nos prières, veille au rayon de nos appels, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gina, notre foi s'est emportée dans la paix du Christ. Accompagnons-le de notre prière et confions-le à l'amour de notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Par le baptême, il est devenu enfant de Dieu. Par l'Eucharistie, il a été nourri du corps du Christ. Il trouve place maintenant à la table du ciel. Il reçoit en héritage avec les saints éternels promis. Puissions-nous un jour, après le deuil et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ, quand il paraîtra dans sa joie, lui qui est notre vie. Que nous l'avons appris le Sauveur et le nouveau. Car nous espérons revoir Gina pour nous.
maintenant celui qui parle d'être au seul du café. Vous viendrez après moi. Prends à tes trois seigneurs celui que nous aimons. Prends à tes trois seigneurs celui que nous aimons. Quand la nuit dans la tombe dira à nos yeux que ce rêve pour lui son sommeil sans éclat. Prends à tes trois seigneurs celui que nous aimons. Il n'est plus bas en nous qu'il soit auprès de toi. Nous avons ta tendresse, tu as que parfait. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Pour l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qui vit dans ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. J'ai là notre frère, nous lui disons adieu, je suis bien heureux. À toi, Seigneur, très miséricordieux, pour recommandons l'âme de ton serviteur. Il a partagé la fragilité de la condition humaine. Pardonne-lui ses péchés. Et maintenant qu'il a quitté ce monde, qu'il vive auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié et de respect que vous donnerez soit pour vous signe de cette présence qu'ensemble nous avons cherchée. Nous allons maintenant encenser et asperger le corps de Dina. L'encens est la prière des hommes montant vers le ciel. Par l'encensement, nous partageons la gloire de Dieu. En signe de respect pour votre corps qui fut le temple de l'Esprit Saint, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière.
Gina, j'ai entendu de t'avoir vu une dernière fois, avant que tu meurs. C'est une chose que je vais faire un grand-père qui est malade sur l'âge. Il a passé du temps avec ses petits-enfants, avec sa famille, et avec qui on peut parler de tout et de rien. Nous, tes petits-enfants, on a fait ce discours pour dire à quel point on t'aime, et parce que tu nous manques, et j'espère que tu te feras les bons du mariage. C'était le seul enfant de lui. C'était le seul petit enfant de Gina et maman Rose qui passait beaucoup de temps avec eux. Moi et papy Gina, on parlait beaucoup. Je dormais avec lui, le maman de cinéma, on passait de bons moments ensemble. Et la veille de sa mort, ma mère voulait que je rentre avec elle et elle me l'a dit, non, pour rester avec ma grand-mère. Mais je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit non. Je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé un message qui me disait de profiter de mes grands-parents. Une partie de nous. Quelqu'un qui a été là, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons perdu notre meilleur professeur, celui qui nous a appris tellement de choses, notre meilleur ami, avec lequel on vivait et on pouvait parler des heures sans tabou. Celui qui a été là à tous les épreuves de notre vie. Je sais que ce ne sera pas facile. Et comme il m'a dit sur son lit d'hôpital, on va y arriver. Et qu'on va être fort. Lui-même l'a été jusqu'à la fin. On va y arriver. Car je sais que le seul souhait de papa, c'était que notre famille soit unie et heureuse. Et je sais qu'on le fera pour toi, papa. On restera unis et heureux. Je pense qu'on n'aurait jamais pu demander un meilleur père. Il nous a tout donné, vraiment tout, et même plus, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on a été fiers de lui, fiers de l'homme qu'il a été. Il s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au fameux 17 juillet 2020, mon père s'est battu. Nous garderons toujours des bons souvenirs positifs de lui, ses blagues, sa gentillesse, ses soirées passées à ses côtés et sa générosité. La chose pour laquelle aujourd'hui, moi et mes frères et sœurs, nous sommes le plus heureux, c'est que, avant de partir, papa a accepté Christ. Et nous en sommes fiers. Papa, tu es un grand vide dans notre vie. Et c'est ce qui a toujours une place dans notre cœur pour toi. On ne peut plus te voir ni t'entendre. Je sais que tu verras sur nous, que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Car tu mérites d'être dans ton royaume qui est le ciel. Tu nous manques et on te montre jamais.
s'inviter à passer auprès du cercueil de Papa Gina pour faire un geste de bénédiction, mesdames, messieurs. Certaines restrictions sanitaires sont toujours en vigueur au sein de cette église. Vous ne pourrez donc pas utiliser le bouclier avec l'eau du baptême. Nous vous invitons donc à faire tout autre geste, comme vous incliner, faire un signe de croix, ou simplement le saluer, tout en respectant une autre consigne, mesdames, messieurs. Mais je vous invite à ne pas toucher le bord du cercueil, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment éviter toute transmission. Pour le bon déroulement de la bénédiction, mesdames, messieurs, nous allons commencer par le fond de l'église, les personnes qui ont passé la cérémonie debout. Mes collègues vont vous inviter à redescendre auprès de l'autel par les allées latérales pour ensuite regagner l'extérieur par l'allée centrale. Au fur et à mesure, mesdames, messieurs, mes collègues vous feront avancer. Nous allons avancer rangée par rangée pour terminer par la famille. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Mesdames, messieurs, les personnes situées au fond de l'église, s'il vous plaît.
peut mettre à 6. Excusez-moi, monsieur. Nous ne sommes pas les plus. Harold, pas déjà dehors. Tijan. Pardon. Yo,
Merci de votre attention, mesdames, messieurs. Avant de procéder à l'inhumation, nous allons laisser un des frères donc faire une prière. Et pendant cet instant de prière, j'aimerais vraiment que nous gardions tous le silence en hommage pour Papa Gina, en souvenir, en mémoire pour lui, pour tous ces moments passés avec lui, pour toute cette vie pour laquelle vous l'avez côtoyé, tous ces moments qu'il a partagés avec vous, toute cette lumière qu'il aurait pu être avec vous pour toute votre vie auprès de lui. Merci. C'est un moment particulier. Parfois, les mots n'ont pas... On n'arrive pas à atteindre véritablement la douleur. On n'arrive pas à soulager. Je voudrais simplement m'appuyer sur ce que Dieu dit dans les livres de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13. La Bible dit... Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dieu a sa façon de voir les choses que nous ne voyons pas. Pour nous, pour la plupart d'entre nous, nous considérons qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, Dieu dit que Papa Gina est en train de dormir. Que Dieu nous aide tous à saisir cela. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Si nous pouvons continuer à croire, si nous croyons encore aujourd'hui, c'est parce que nous savons que nous avons de l'espérance et nous savons que Dieu nous ramènera à la vie avec Christ. Dieu a ramené Christ à la vie, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous pouvons encore aujourd'hui, malgré cette dure réalité, nous pouvons encore dire, nous croyons et nous espérons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Je vais dire ici, malgré toute la douleur que nous pouvons ressentir, notre frère, notre papa, notre oncle, notre petit frère, grand frère est parti. Il est parti en tant que mort en Christ. Amen. 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 J'ai pu passer les derniers moments avec lui. Un jour, il me dira, je sens le besoin d'être baptisé. J'ai dit, qui suis-je pour t'en empêcher? Et donc, il a pu passer par la confession, il a organisé, il a parlé avec sa famille, il a parlé avec sa femme, il a parlé avec ses enfants, il a parlé avec son pasteur. Et comme il a désiré de passer par les eaux du baptême, nous l'avons baptisé. Et donc, ce qui fait que, malgré toute la douleur que je peux ressentir, que nous pouvons ressentir, la Bible m'encourage en disant, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimés, oh, je voudrais sincèrement que cette parole reste gravée dans notre esprit à tous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà pourquoi Dieu dit que ce que nous sommes en train de constater ici n'est que le sommeil. Oui, certainement un sommeil profond, mais c'est le sommeil quand même. Parce que Dieu sait qu'il va nous ressusciter. Bien-aimé, s'il y a encore des doutes dans ton cœur, laisse que cette parole reste dans ton cœur. La Bible nous dit que les jours du malheur, réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Bien-aimé, ici s'appelle les rendez-vous des vivants. Gina n'est pas conscient que nous soyons là. Il ne sait même pas que nous sommes là. C'est toi et moi qui savons que nous sommes là. C'est toi et moi, nous avons tous parlé, nous nous sommes téléphonés pour dire nous allons aller accompagner Gina. Que Dieu vous bénisse. Mais ne vous arrêtez pas à l'accompagner. Prenez conscience que cela arrivera à chacun de nous. Sauf évidemment si Christ revient aujourd'hui. Mais s'il ne revient pas, nous passerons tous par la mort. Et mais quand la mort arrivera, bien-aimé, Gina a eu le temps. Tout le monde n'a pas cette grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce. Il y a des gens qui meurent dans les accidents. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils n'ont pas eu le temps de prier. Ils n'ont pas eu le temps de confesser. Mais Gina, Dieu lui a fait grâce de confesser ses péchés, de demander pardon. Et je peux vous garantir, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Amen. En premier. Si tu as encore des doutes, c'est le moment. Je ne te force pas, je te dis simplement ce que dit la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore de relation avec ce Christ, arrange-toi, débrouille-toi. Tu as des gens autour de toi, tu as des gens qui parlent de Christ, qui parlent en bien de Christ. Parle avec eux pour que tu puisses arranger ta vie. Je voudrais dire aussi que tout à l'heure, j'ai entendu la parole là-bas, que Gina amène une certaine lumière. Je voudrais que cette lumière puisse briller en chacun de nous. La lumière en question, c'est Christ. Quand on accepte Christ, c'est la lumière de Christ qui entre dans notre vie. Je voudrais que chacun de nous parte avec cette idée. Mais que nous puissions profiter. Bien aimé, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Mais que nous puissions le faire quand nous sommes encore tous vivants. Oui, que nous puissions nous visiter parce que nous sommes encore vivants. Nous avons encore la possibilité de parler entre nous. Aimons-nous quand nous sommes vivants. Et visitons-nous quand nous sommes encore vivants. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je disais en commençant que ce n'est pas ma parole, je ne veux rien dire, je ne peux pas consoler, je ne peux pas toucher la douleur de ces enfants, de cette femme, de tous les frères et sœurs qui sont là, je ne peux pas. Mais cette parole seule est capable d'entrer dans les cœurs et de consoler.
que cette parole vous concerne. Seigneur notre Dieu, tu as permis que nous puissions aujourd'hui arriver à ce moment terrible. Mais c'est toi le maître du temps, c'est toi le maître des circonstances, et c'est toi le maître du souffle de vie. Tu nous as prêté et tu le retires. Et quand tu le retires, Seigneur, il y a la douleur qui s'installe. Ma prière est que tu consoles. Que la paix que Christ donne, que la paix qui surpasse toute intelligence soit accordée à chaque cœur qui souffre en ce moment, à chaque cœur qui est affligé. Que ta paix soit répandue dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que parmi vous, vous direz, mais il n'a pas prié pour la femme, nous l'avons fait hier. Il n'a pas prié pour les enfants, nous l'avons aussi fait hier, parce que nous savions qu'il y avait des imprévus. Que les dieux d'amour accompagnent cette parole que nous avons prêchée, et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Mesdames et messieurs, quelqu'un d'autre de la famille souhaite prendre la parole. Et avec votre permission, on va procéder à son inhumation. Gina. Gina est à Sironnaï. Combo Nayo est à Kaouti. Salabiako, Otendila. Ngai na peso combo na banda au Bengona. La kata Gina na Bengona. Gina, ça me balinanga. Alobarana mokilike. Soki vos balani. Et le coco cabola bino. Il y a un peu de temps. Je suis un reporter qui a été abandonné. Vous vous appelez ça ici cousin. Je vous l'explique. Rose. Pourquoi je prends la parole. Pardon, cousin. Rose. Je prends la parole parce que je suis l'aîné de mes frères ici. J'ai remercié le Seigneur parce que je rejoins exactement la parole que le pasteur a adressée. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est fidèle, qui nous a fait une promesse. Je pars pour vous préparer une place. Et c'est Jésus de Nazareth qui est fidèle à réaliser en Gina cette parole-là. Parce que Gina a eu la chance, de communier, de parler, de se réconcilier avec Jésus-Christ parce qu'il savait qu'il allait mourir dans 6-7 mois. Et ça, c'est grand, c'est une chance extrême. Je remercie le Seigneur Jésus. Et en tant que l'aîné de ma famille, ici,
de notre clan, de notre famille ici, je remets Gina entre les mains de Jésus-Christ, au nom alors de toute la famille. On est là. C'est bon là? Bon. On va descendre le cercueil. C'est bon, maman. Hein? C'est bon. C'est là, maman. On descend. Non, c'est pas. Hein? Sépulture tant que vous êtes présent dans le cimetière. Attends, maman. Come on.
Amina, allez.
yo to salinde ke mokole lolo bilirela okotika lanzambe yo bomanite biso basone to sosoli monene na yo biso basone to sosoli muya na yo to salinde ke mokole lolo bilirela okotika lanzambe yo bomanite. Kati na bongo inayo loko la singa na kati ya ntonga nzela nyonso nkolo yo koleka nyango nde nzela ngai na koleka pe na nzela nyango sala na ngai ebele bakangama na liloba pe ntango miswa banze kotala ngai naloba botala Yesu Mesia po ye nde tonga moto asali nyonso ngai nazali singa ya pamba kozanga Yesu na bomoi na ngai solo ngai nakoki loko moko te porokolo ngai nandeleli yongo nakosalela ngai yawe yawe salela ngai salela ngai ngolu ngolu ngai na mona loboko na yo ngai na bondeli yo mokonzi na mapinga na lona salela ngai mbika mwate ngai na mona loboko na yo anzela mosala na ngai ye yawe babeli mapinga yo mosala na ngai likomba mpe babota ngai nambeleli yo o yawe ngai nambeleli yo konzi na mampinga na lonango salela ngai mikamwae moto akoyokela yo mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto mpo ayeba mpe asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto. Aleluya, aleluya. Mokolo moko nazwaki mpasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipaya elongo mpo na kobosana pasi asi pota ya motema tokokabola ndenge ninyo nzoka likulusu Yesu azwaki esika na ngai basesengelaki ngai namona ye nalemaki bana ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na koma maboko na ye bana ngai na ndima ye toko maeloko moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi Yesu yozali ne nzambe yokokani solo na moto te o Yesu e ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nzambe akomaki moto mpo ete moto akoma nzambe yango moyembi atatolaki pourquoi vous les dieux mouriez-vous comme des hommes si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Soki ndoki alei moto bakomatisa ye bapete soki ameli makila ya moto bakomatisa ye bagradeo bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila ana Yesu
doko zara te mokila, doko zara kaka moto, po makila na yeswe koganga koleka makila ya moto. Doko zara te mokila, doko zara kaka moto, po makila na yeswe koganga koleka makila ya ambeleo. Na ye vishis, yo zali ne zande, yo kota ni solo, na moto te o yeswe. Noto nangay, oyele ki monene, ete mokolo moko, na mona elongi na yo. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles. Mais avec la foi, on peut faire des miracles. Na kuti ni kepa na moto pona ni. Pete moto loko la ngai akoleka. Ba sakana pona ni, pete sakana pe ba pesa ki. Kozala kaka na moto. Atabaya ya babui na bango, kofula ngai na mbongo. Na lingi kutu yo Yesu, yo moko fula ngai. Omo pepe oye bimi utali bumuna yawe. Tamwe tuta kinzoto ya damu ala damwe kekoe. Epesi yango bomoyi, epesi yango pebo ponzi. Nikolo ya biloko nyonso yo yawe ya kela kiliboso. Soki Yesu wafuli misale, misala na yo weko fumana. Emisala ware kolongola bato mingi katina chomajara.